Ouais. J'ai fait ça pour cette partie là. Je peux faire ça pour partir d'ici. Ok, reste là. Je pars. Pour faire mon coaching. Là. Je viens décaler. Ok. Après, je vais monter le coaching. Après, vous allez venir en fonction du partenaire. C'est soit vous allez tourner là, soit vous allez faire les deux. Tac, tac. Ou soit l'ouverture, c'est la même ouverture que je viens faire. Ça, c'est la même ouverture, sauf que je pars là. Ok. Donc je reprends tout doucement d'abord. Je suis ici, il y a son bras qui est ici. Voilà, l'ouverture. Automatiquement, ça m'ouvre. Donc j'ai plus de position sur sa main. Ok. Là. Et après, maintenant, il faut être coordonné d'ici. Alors, ce que moi je fais, ce que je dis aux autres, essayez d'écouter vos pas sur le sol. Il y a combien de pas là? Vous avez entendu combien? 4. Sûr? 3. Je fais tout doucement. Je peux faire un. Là. Combien? 4. Là. Là. Combien? Je peux raccourcir. Je peux faire 1. Je peux faire 1. Ça dépend de la distance que mon partenaire va être. Si je fais seulement 1, je suis trop loin. Là, je vais peut-être en faire un peu plus de pas pour venir bien me mettre sur l'axe. On commence doucement, ouverture. Ouverture, j'avance mon bassin, touche pas. J'avance pour aller chercher. J'avance pour tourner. Ok, je vais vraiment tout doucement. Je ne me donne pas la manche. Très bien, il n'y a pas de soucis, me la donne pas. Je ne la donne pas. Alors, qu'est-ce que ça approche? Regardez. C'est facile pour moi pour prendre la manche. Travaille soit ça, ou soit pareil, ne la donne pas. Là, je vais décaler. Ok. On essaie. Soit vous tournez sur Isa, soit Kochi. J'ai dit, même si je mets de là, vous n'avez pas encore grandi pour faire le Kochi. D'accord? Pareil. Je ne vais pas vers le haut. Là, ce que vous n'avez pas compris, c'est à certaines personnes au niveau des jambes. Je peux être là ou je peux être là. Après, si je suis ici, je vais être obligé de faire un travail d'un double appel peut-être pour pouvoir vous remettre dans l'axe. C'est plus dur. Si j'étais le pied avancé, quand je vais faire ça 1, je viens avancer ici. 1, c'est 1 et 2 le mouvement. Après la distance, je fais exactement pareil. 1, 2, 3. Regardez, 1, 2, 3. Mais mon travail, celui-là, il ne reste pas là. Comme certains font, ce qui fait, si on fait ça, regardez, je ne peux pas revenir. Il suffit que s'éloigne un peu, je me retrouve vraiment en déséquilibre. Donc le travail que je fais ici, c'est coordination aussi. Hein. Il travaille, il travaille. Il travaille. Donc c'est ça, regardez. Même si c'est celui qui est en premier, celui-là va venir attraper en premier. Là. Coordonnée. D'accord? Alors comme vous savez tous, aujourd'hui, attrape-moi la manche. Interdit. Donc ça devient de plus en plus dur de pouvoir faire lâcher. Et là, il faut développer certaines choses avec le kumikata. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, je fais lâcher. Et comment je vais faire pour faire lâcher ou comment je vais utiliser ce potentiel-là? Quand on travaille sur le kochi, tiens le plus fort possible. Allez bien.
Mon but à moi, essayez. Relâche. Non, tu peux tenir fort et relâcher les épaules. Regarde, là, t'es pas naturel. Mon travail, j'ai envie de faire lâcher. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Le même travail sur le coup aussi, là. J'ai fait appel. Là, c'est ça le coup aussi que j'en vois. Ma manche est prise. Je dois être en difficulté normalement. Je suis droitier, c'est ma main forte qui monte. Il me l'attrape, il me met en difficulté. Alors, mais non, c'est pas un problème. Lui, en plus aujourd'hui, les gens qui tiennent, ils ne lâchent pas parce qu'ils savent qu'on ne peut plus. Ça, donc, je vais faire ça, ils vont suivre. Faites attention, je ne fais pas ça, je vais chez lui. Je fais ça. Qu'est-ce que vous voyez en lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Comment? Il fait quoi? Il avance. Pourquoi il avance? Parce que je lui fais croire que je vais faire lâcher la manche. Là. Et regardez mon épaule ce que je fais. C'est simple. J'utilise la force, sa force. Plus il va me tenir, il va se croire vraiment fort. Alors, je peux le faire en deux trucs, hein. Je peux le faire même en venant tenir ici. Hein. Alors, l'enjeu, c'est ça. Ah, je fais lâcher, essayer de faire lâcher. Dès qu'il vient, regardez ce que je suis obligé de rechanger la position de mes jambes. Parce que si je fais ça, je peux pas. Ok? À moi, je passe le côté. Voilà, je vais essayer de monter. C'est donc, ce que je fais ça, regardez, j'en mets, et j'en mets sur ma jambe. Travail de coordination, il avance, je recule. Et qu'est-ce que je fais? Épaule. Là, je peux envoyer. Je peux pas envoyer. D'accord? Donc, je vais vraiment tout doucement. Je veux qu'il croit qu'il est fort physiquement. Là, il m'embête. C'est ça, mon action. Ok? Alors, t'en as qui font. Voilà. Juste en venant là, le point dans le temps, ou t'en as qui font en gaki. Voilà. Ou après, c'est quand on a compris le truc, hein. Je peux partir sur le CA que j'ai déjà engagé sur le coachy, là. Je peux tourner. Hein. Mais ce qui est important, c'est comment je rentre là-dedans. Comment je vais me rentrer là-dedans. Je ne rentre pas, ça me rentrait. Je vais utiliser sa force. Et c'est ouvert, regardez. Soit on balayage, soit on va crocheter carrément. On essaie. Je vous ai donné la deuxième solution. On peut faire ça. Même s'il tient, il est d'accord fort, ça je peux faire. Maintenant d'ici, j'ai fait le même travail. J'ai fait ça tout à l'heure. Là, j'ai fait le même travail. J'emmène. Pareil. Et pour pouvoir arriver là, j'ai un changement de pied à chaque fois. Attends. Vous dansez la salsa? Allez, bah, c'est un peu pareil. Je change de rythme. Voilà. Allez! Un peu de salsa, c'est parti. Il y en a un qui m'a dit, oui mais si, me tiens la manche, tu vois cette manche là, je tourne là. Bien sûr. C'est fort ça. Je suis là, je vais tomber, je vais faire faire avec le chien avec la main. Mais là, s'il me tient la manche, je suis droitier. Pourquoi je vais me faire? Je me prends pas la tête. Hein. C'est justement quand il me tient l'autre manche et voilà. Je suis droitier, il m'empêche ma main forte de monter, c'est là que je suis en difficulté. Donc, s'il me tient l'autre, c'est pas un problème. Là, je suis en problème. Là, c'est dur. Et je vous dis, même pour démontrer, je fais toujours une accélération. J'essaie toujours de changer de rythme. Et pour moi, c'est devenu naturel. Je monte, j'oublie toujours. Même si je vais doucement, il y a un changement de rythme. Et c'est ça qui surprend les gens en compétition. Si je suis là, attends, je vais faire mon sous-toi, attention, je vais faire un sous-toi. Il n'y a pas de changement de rythme, il va savoir. Là, je vais bouger, je vais pouvoir exploser. C'est là qu'il est forfait. D'accord?